Salut à tous! Aujourd'hui, je vous fais partager le maquillage que je fais tous les jours pour aller travailler, sachant que vous le savez, moi quand je pars travailler, je pars transpirer, donc je ne mets pas grand chose sur mon visage. Vous allez voir ça tout de suite, c'est parti! Vous êtes prêts? C'est parti! Je commence par hydrater ma peau avec l'indétrônable crème Nivea. Allez, tout le monde chante avec moi! Si toi aussi tu trouves que ma brassière fait mal aux yeux, mets un pouce en l'air. Là, je vais camoufler mes petites imperfections avec un correcteur de chez The Balm. J'utilise mon Beauty Blender pour l'appliquer parce que je n'arrive pas à plonger mes doigts dans le pot à cause des ongles. C'est ballot. Je vais maintenant poudrer le tout avec ma poudre Stay Matte de chez Rimmel et mon pinceau Real Technique parce que je n'aime pas du tout briller. À part peut-être par mon talent. Il est l'heure du bronzer. Je prends mon bronzer Honolulu de chez W7 pour faire un léger contouring. Bonjour les petits enfants! Je prends mon kabuki de chez ELF pour estomper le tout. Et je me redonne un petit peu de couleur avec un blush de la collection de l'été dernier de chez Kiko. Passons aux sourcils, je dégaine mon kit à sourcils de chez ELF et mon pinceau de chez Zoeva. En temps normal, je fixe mes sourcils avec le mascara gel de chez Essence, mais je l'ai perdu. Mon coup de cœur du moment, c'est le mascara roller lash de chez Benefit. Je l'ai eu en miniature dans une box et je viens d'acheter le full size parce qu'il est vraiment miraculeux. Non mais regardez-moi ça! Et pour les cils du bas, j'utilise un mascara de chez Bourjois qui applique le produit en plus petite quantité. Je ne mets jamais de couleur sombre en muqueuse. Là, j'utilise le crayon Eye Bright de chez Too Faced qui est rose pâle. Ça agrandit le regard et donne un air plus réveillé. Et par moments, j'en ai bien besoin. Je termine avec un rouge à lèvres de la collection de l'été dernier de chez Kiko, qui donne un rendu très naturel. Ça sublime en quelque sorte la couleur naturelle de mes lèvres. Et maintenant, je n'ai plus qu'à corriger mes petites bavures avec un coton-tige. Quelques petites giclées de la brume Mango Temptation de chez Victoria's Secret. J'en mets jamais assez. Et voilà le travail! Et voilà, en 5 minutes chrono, je me suis refait une tête. Tout ça pour vous dire que c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Le naturel, c'est le mieux. Et de toute façon, pour aller transpirer, ça ne sert à rien de faire plus que ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez plus de vidéos de ce type-là, mettez un petit pouce en l'air ou laissez-moi un commentaire. Ou vous pouvez aussi faire les deux. C'est sympa aussi. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme dirait Valérie... Au revoir.